Salut, salut! Ouais, voici Captain Fleur de ce plus que son nom de champion MC. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans, la série de la chaîne, bien sûr, dont on parle pas mal. Dans la dernière vidéo, je m'en souviens même plus que ce que j'ai fait. Bah, la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai fait une attaque. Donc, j'ai accumulé 700 000 en ressources pile en plus pour. Presque ou un peu plus ou un peu moins. Non, exact, pile. Les deux. Je pense que qu'est-ce qu'on peut avoir le. On peut ramasser de plus. Le maximum, je pense. Dans les. 1000 pis des extra terres. C'est le maximum qu'on peut ramasser. Donc, comme vous pouvez voir. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Pour moi, c'est juste. Des chauffeurs du ciel. Des chauffeurs de cochon, cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il atterrit. C'est simple, il va vers les défenses, puis fait. Puis si c'est pas la défense, c'est. Il y a deux vies dans le fond. Il y a la vie aérienne, juste le chauffeur de cochon, et la vie terrestre. S'il meurt, il tombe. Il vient. Bah, dans le fond, c'est le Delta Plane qui brise, dans le fond. Puis s'il y sera, il fonce dans la défense. Puis. Et, en fonçant dans la défense, qu'est-ce que ça fait? Ça fait. Comme gelé, d'une certaine façon. C'est comme s'il était assommé à la défense. C'est un peu absurde, mais que voulez-vous? C'est quand même assez pratique. Je vais vous montrer la dernière. Non, celle-là. On peut voir. Vous voyez ici? Il a assommé. Comme ça, il y a le temps de vraiment. Vraiment le temps. Lui, il a, avec lui, par contre, le pas semé. Il y en a 5 autres. S'il y a le temps, il a semé. Ça, c'est fun et pratique. Sinon, il faut juste attaquer comme normalement. C'est contrainte de temps, mais il n'y a pas juste la contrainte de temps, même sans contrainte de temps. Bah. Peut-être pas, peut-être j'aurais eu. J'aurais été correct, parce qu'il restait quand même 1 minute et demie. Mais c'est juste que. C'est ça. J'ai peut-être pas la contrainte de temps. C'est ça. On attaque! C'est fun. C'est une nouvelle technique que j'essaie de développer. Ça l'a semé 2 sur 3. Oui. Parfait. Là, il l'a pas semé parce que c'est. Parce que c'est comme ça. C'est très utile la semer. C'est fun. Ah! Le reste, je peux pas rien faire.
Ah, il y a une chance. Oui, 100%, peut-être. Une fois tout est fait, c'est vite. J'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Là, j'en ai pas un, j'en ai deux. Juste pas qu'il prenne la trappe. J'espérais juste les pièges ressort plutôt que pas de trappe, mais les pièges ressort. Le pognon. Pas pire cette technique-là. Faut que je la perfectionne, ça c'est sûr. Mais j'aime bien cette technique-là. Le 100% est possible, juste. Mais possible. Oh, peut-être. Du coup, oui, je l'ai, 100%. En autant, justement, je me disais, en autant qu'il pogne pas un piège, je ressors. Ça, c'est pas grave, ça. Il y a du potentiel, cette technique. Cette technique a du potentiel, ça, je peux vous le garantir. Ça a du potentiel. Pour qu'est-ce qui est de ma chaîne? Dans les dernières vidéos, il y a Adrien MMCL qui est caché dans le jeu au jeu. Bon, je vous donne pas toutes les réponses, on s'entend, sinon ce sera trop facile pour vous. C'est ça, un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y jouer, je vais le faire tout d'un coup le plus vite possible. Justement. Pour faire le plus vite possible, le rendu là, sauf que je vais m'entraîner un peu, mais de toute façon, je connais toutes les réponses. Il y a pas de problème rendu là pour moi, mais ça va être plus tard pour de ce temps de le découvrir par vous-même. Si je regarde ceci. Combien il y a tableau de bord analytique. Bon, il y a juste 8 téléchargements. 184 impressions. Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais je trouve les téléchargements, ça c'est 8. C'est beaucoup. Mais c'est quand même un début. Ah, c'est les zip qui sont téléchargés. Je prends un vue de 7-Zip, de toute façon je prends mon 7-Zip de toute façon. Qui est mis au cas où, mais... Fantôme, c'est pas tout le monde qui est 7-Zip. Faut absolument avoir 7-Zip si vous voulez l'avoir. Jouer. Je pense que je vais les enlever là. Pas tout de suite, mais éventuellement. Ouais, je regardais. C'est pour cela. Ni No Kuni. La série à laquelle il est peu populaire, mais que je le fais quand même. Parce que ça me tente. Le 1 a commencé. Parce que le 1 est sorti en septembre. Ben oui, j'avais le goût de le faire. J'avais le goût de le faire. Chercher un émulateur pour jouer à ça, mais je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Tant mieux rendu là. On s'en plaint pas. C'est comme que j'ai. C'est sûr que c'est pas très, très populaire, mais rendu là, m'en fous.
Je sais que ça fait mal. Ça fait du bien de l'assommer. C'est le fun! La technique-là, je l'aime. C'est sûr qu'il y a place à l'amélioration. On s'entend. Là, cette technique-là est pas maîtrisée, mais je l'apprends à l'utiliser tout simplement, cette technique-là, parce que ça me tente. De toute façon, si je veux aller plus haut, il faut bien que je trouve une technique meilleure. De toute façon. De toute façon, les PK sont même pour maximum, c'est vrai. C'est la seule. Non, ce que j'utilise, c'est la seule troupe que je n'ai pas au maximum. Et je suis au niveau 16 même. Mais c'est ça, dans le fond, Ni no Kuni commence. Il y aura deux Ni no Kuni par mois, mais deux différents. Et j'aime bien le jeu, je suis déjà en avance quand même pas mal. Plusieurs tournées. Bon, tout ça, non, mais tourné, oui. Ni no Kuni 2, l'autre, il tourne, il est déjà. Faudrait que je le. Faudrait bien que je le mette. Que je le mette sur YouTube. Les meilleurs moments qui s'en vient d'ailleurs. Mois de février, je sais pas comment ça va être, mais on va voir ça, comment ça va aller. J'essaie de pogner d'autres séries qui font longtemps que j'ai pas faites. On va essayer. Oh, peut-être Roller Coaster, ce serait pas pire. Bah ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas que j'ai pas joué ça. Age of Empire, ce serait pas pire aussi. Je regarde ça. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui, je pense, parce que c'est une petite vidéo, pourquoi pas. Parce que c'est comme ça. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore les visiter mon site internet dont le lien sur la banane de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Peu importe lequel. Cache of Clans, peu importe lequel. Hollow Knight, parce que oui, c'est une série qu'il faut continuer puis que je tiens. Zelda, Breath of the Wild. Eh oui, pourquoi pas. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.